tranquillement à 10. Mm-hmm. 1 plus 9 égale 10. Okay. 7 plus 3 égale 10. Okay. 2 plus 4 égale 10. Non, concentre-toi. Concentre-toi. Vas-y, alors, tiens ton papa. Et après, c'est ton papa. Reprends. Ok. 9 plus 1 égale. Et sois concentré, 6. S'il te plaît. D'accord. 7 plus 3. Tu as oublié. Donc, quelques jours, tu as oublié. 2 plus 2. C'est-à-dire qu'elle a le droit au dessin animé pour le moment. Oui. Tu as oublié. Mais c'est pas toi qui as pris ça à Mariam la dernière fois. Tu as tout oublié encore. À cause des jeux. Le dessin animé, tu vois. J'ai dit, tu connais les compliments à 10. Je sais que tu connais. Concentre-toi. 9. Concentre-toi. Tu connais. Plus 1 égale 10. D'accord. 7 plus 3 égale 10. D'accord. 2 plus 8 égale 10. 10. D'accord. Il y a encore 2. Il reste 2, oui. Vas-y. Il reste 2. Et après, donc tu as tout oublié en quelques jours parce que tu aimes seulement les jeux. Alors que c'est toi qui as appris ça à Mariam la dernière fois. Tu es devenu mon assistant maintenant, tu as tout oublié. Hein, Jenny? C'est trop grave là, bébé. Donc tu as oublié. Donc tu n'es plus mon assistante alors. Et j'ai oublié le compliment. Tu as dit 7 plus 3 égale combien? 10. 8 plus 2 égale 10. L'autre, c'est quoi, maîtresse? Il y a 5 plus 5. 5 plus. Le plus facile. Quel 5 plus 5 égale 10. Et 6 plus 4. 6 plus 4 égale 10. Alors qu'elle a pris sa main, Mariam la dernière fois, maintenant, elle ne veut plus répéter. T'as vu, hein? J'avais dit que Jenny m'a. On peut répéter. 7 plus. 5 plus 5. Égale 10. D'accord. 2 plus 8 égale 10. 3 plus 4, 5. Égale reste concentré, reste concentré. 3 plus 7 égale 10. Mariam, tu fais quoi? J'apprends. Tu apprends quoi? Les lettres. Les lettres. Tu écris quelles lettres? Les lettres comment? On appelle ça comment? Je t'ai dit qu'on appelle ça comment? Les lettres minuscules. Et là, c'est quoi au tableau là? C'est quoi au tableau? C'est A, B, C. On appelle tout ça comment? L'alphabet. D'accord, parfait. Mariam, tu fais quelle classe? En grande section. Jemima, tu fais quelle classe? Grande section. Jemima, j'espère que tu as l'air que tu fais la dictée. Et si tu vas te la dicter, vraiment, je ne serai pas fière de toi. J'espère que tu connais tes. Tu peux te faire la dictée devant ton papa, tu m'écris les lettres. Ok, on va essayer. Tu finis ce dernier. Oui, tu finis. Tu vas écrire, tu vas montrer à ton père comment tu vas trouver toute ta dictée. C'est bon. Ok, bon, on va faire un petit exemple. Si je te demande d'écrire des, tu vas écrire quoi? Des. Non, écrire, non, épelle seulement. Des? Je vais donner des et E et S. Ouais. Wow. Si je te demande d'écrire une, tu vas donner quoi? Une. U et N. Vas-y. Une. Tu dois écrire comment? U et E.
U, une. Tu vas écrire comment? Assieds-toi bien. Bien. Correctement. Comment tu veux? Voilà. Une, tu vas écrire comment? Oui, c'est quoi? C'est quoi la fin? Et E, c'est ça? Et E. Oui. Ok. Si tu dois écrire L, tu vas écrire. E, oui. Et L, et L, et E. Okay. Parfait. E, L, L, E. Si tu dois écrire L. 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 Oui. L. U. Oui. E. S. Okay. S. Si tu as écrit un. Un, c'est qui? U. E. L. Oh, donne 5. Donne 5. Lui. Tu as écrit lui. Tu vas écrire quoi? Parfait. Lui. Tu vas écrire quoi? L. E. U. E. I. Très bien. Oh, c'est bien. Elle fait déjà la dictée. Ça, c'est parfait. Continue à l'autre chiffre. Ok, d'accord. Merci, je vous laisse alors, ok? Je vous laisse la fille. On se dit quoi? À tout à l'heure. D'accord. Bisous.